Jean-Claude Roman a craqué. Cet homme qui a tué toute sa famille avant de tenter de se suicider a reconnu les faits. Lorsqu'il a fini par reconnaître sa vie cachée, Jean-Claude Roman aurait lâché cette simple phrase « Je suis un monstre ». Pourtant, durant des heures, il a tenu tête au juge d'instruction venu l'interroger à l'hôpital pénitentiaire de Lyon. Il ne voulait présenter qu'un visage, celui du médecin, discret, sympathique. Entre-temps, acculé par les faits, il a reconnu l'assassinat de ses enfants, de sa femme et de ses parents. Découverte aussi cette existence de dupe menée pendant presque 20 ans grâce à ses proches, qui l'escroquaient en proposant des placements avantageux. Sur le point d'être découvert, il a préféré tout détruire, pour échapper à la déchéance et peut-être aussi pour éviter la honte aux siens. Lui a raté sa fuite en manquant son suicide, il devra donc assumer l'étrange film de sa vie devant la justice.